Mamie, je suis désolée. Mon ami, je suis désolée. Comment le tribalisme a pu nous séparer? Notre bilinguisme a pu nous éloigner. Pourtant, dans la lutte pour l'indépendance, on était toujours ensemble. Pourtant, dans les moments de misère, on était toujours ensemble. Comment le tribalisme a pu nous séparer? Notre bilinguisme a pu nous éloigner. Princesse, c'était ainsi que tu appelais ma fille. Après la réunion à Fumba, je ne répondais plus à tes appels. Oh mon ami, je t'ai presque oublié, je reconnais. Je le regrette sincèrement. Mais aujourd'hui n'est plus pareil. Tout a changé depuis ton absence. Je croyais que mes seuls amis étaient de ma famille. Pourtant, tous les Camerounais forment une seule famille. Ah, quelle ignorance! Comment le tribalisme? Notre bilinguisme a pu nous éloigner. Pourtant, dans les jours d'indépendance, on est toujours ensemble. Baigné à Rico, matin et soir, on est toujours ensemble. Après la réunion à Fumba, je ne répondais plus à tes appels. Oh mon ami, je t'ai presque lié, je connais. Alors, chers amis, bonsoir, 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 mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir, les amis de la Révolution camerounaise, bonsoir à tous ceux qui sont abonnés à nos pages respectives de tous les combattants qui sont dans les quatre coins du monde. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une édition particulièrement spéciale. Permettez-moi la répétition. Nous allons avoir sur ce plateau quelqu'un qui fait parler depuis un certain moment et qui est resté longtemps dans l'ombre. J'ai fait d'ailleurs un live hier pour vous rappeler l'importance d'avoir joué dans notre révolution. L'enjeu que représentait son personnage. Donc, aujourd'hui, nous avons Big Mami sur notre plateau pour répondre, rompre silence, sortir, expliquer, dire la vérité aux Camerounais en ce qui concerne ce qui, depuis un certain moment, émeut la plupart des Camerounais, fait couler de l'encre, fait couler des salives. Donc, aujourd'hui, ce soir, Big Mami a décidé de sortir, de venir auprès de vous, de venir auprès des Camerounais qui chérissent le Cameroun, qui ont un respect pour la dignité des personnes au Cameroun et au-delà des frontières nationales de notre territoire. Donc Big Mami a décidé de venir et d'apporter son point de vue, d'apporter sa vision, d'apporter ses éléments de réponse par rapport à tout ce qui s'est dit et aussi justificativement par rapport à ce qui s'est dit sur sa personne. Depuis un certain moment, on entend sur les réseaux sociaux des noms tonnés tels que celui du professeur Franklin Yamsi, celui de Big Mami d'une part. Qui est Big Mami? D'où vient-elle? Qu'est-ce qu'elle a fait pour la révolution? Qu'est-ce qu'elle va nous dire aujourd'hui? Je sais que ce sont des questions que vous posez certainement du fond de votre canapé, du fond de votre salon. Donc,
Asseyez-vous bien, prenez vos pop-corn et partageons ensemble ce soir cet espace, cette plateforme d'échange que Big Mami nous propose. Donc, Big Mami, la première musique écoutée, c'était une proposition de Big Mami qui se voulait avoir un espace de discussion convivial, cordial et plein d'enthousiasme entre les Camerounais que vous êtes et ceux que nous sommes. Parce que une chose est sûre, c'est le Cameroun qui gagne. Donc, on s'écoute encore quelques musiques, le temps que vous partagez au maximum et le temps que vous asseyez dans votre salon, que vous prenez le temps de prendre vos stylos, de noter, parce que ce qui va se dire dans cette émission, forcément, vous apporte beaucoup de lumière par rapport à notre révolution et surtout par rapport à votre façon à vous d'entrevoir et de voir, lire et relire entre les lignes de ce qui se passe dans notre révolution, comprendre même avec le temps et en fonction des éléments factuels ce qui se passe dans notre révolution. Je vais vous mettre un autre titre en attendant que vous partagiez. We need peace. We need peace in this country. We need to live in the better country. A better Cameroon is possible. Camerounais, expatriés, gens d'ailleurs, gardez-vous d'encourager la guerre. Elle vide nos villages, elle détruit nos foyers, elle vole notre tranquillité. Vous avez des doutes? Venez, je vous amène chez moi au nord-ouest Cameroun, chez moi au sud-ouest Cameroun. Regardez, on sait toujours quand la guerre commence, on ne sait jamais quand elle se termine. Des années que cela dure, des années qu'on observe avec le cœur dur, c'est trop parce que trop de sang a coulé, c'est trop parce que trop de villages se sont brûlés, c'est trop parce que trop de haine s'est nourrie. Cette fâcheuse guerre du nord-ouest Cameroun, ces terribles massacres du sud-ouest Cameroun, et que l'autorité face à ces massacres qui donnent à notre nation un goût si âcre. C'est triste parce que personne n'en parle, les gens meurent chaque jour et ça laisse tout le monde de marbre. Jamais s'embrasser sur les bancs publics de Hobbs des choses, parce que les canons ont pris le pouvoir. C'est trop parce que la mère est tuée, c'est trop parce que la fille est violée, c'est trop parce que le garçon est enlevé. C'est triste parce que l'enfant est devenu orphelin, c'est triste parce que la mère est devenue veuve, c'est triste parce que Oya gémit encore et encore. Mais ils ont dit paix, travail, patrie. Voulez-vous qu'on soit en paix si à la moindre plainte vous nous jetez du gaz lacrymo? Comment vous qu'on travaille si on a mis du feu sur nos marchés? Voulons être patriotes, c'est notre devoir. S'il vous plaît, respectez nos libertés fondamentales. Vous me dites qu'il y a la paix ici. Et mes frères de Batibou, que leur reste-t-il? Maison incendiée, enfants dans la forêt, rêves et économie tuée? Y a-t-il donc une gangrène qui favorise l'état de putréfaction de ce pays? Le système corrompu du Cameroun nous a volé notre avenir. Il ne nous volera pas nos mots. Parole. Oh, parole, viens à moi. Il s'impose à moi ce besoin exacerbé de mettre les mots sur les souffrances des miens. C'est pour moi un besoin viscéral de parler. C'est triste parce que l'enfant est devenu orphelin. C'est triste parce que la mère est devenue veuve. C'est triste parce que Boya gémit encore et encore et encore. Chers amis, rebonsoir. Donc, nous voici de retour dans votre studio bien-aimé, dans votre espace de discussion. Aujourd'hui, nous venons dans un cadre particulier, comme je l'ai dit, et nous aurons un droit de réponse, un droit à l'expression, parce que c'est le fondamental même des médias. Donc, je vais tout de suite aller du côté des loges de notre antenne.
dire comme ça déjà un mot de bonjour à Big Mami qui vient de faire son entrée, qui attend certainement dans le studio depuis un bout. Je vais ouvrir l'antenne de Big Mami. Big Mami qui a choisi ce soir de garder un contexte particulier, un contexte personnel. Vous savez que chacun a la liberté de dire comment est-ce qu'il veut s'exprimer, avec les canaux qu'il veut s'exprimer et comment est-ce qu'il veut se faire entendre. Il ou elle aimerait se faire entendre. Donc, Big Mami, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Stinsa, merci de m'accueillir sur votre chaîne mondiale. C'est avec un C'est plaisir. une première pour moi. Je dois rappeler à tous ceux qui nous suivent que Big Mami a brisé ses interdits personnels aujourd'hui parce que, pour tous ceux qui la connaissent, Big Mami n'est jamais sorti en vidéo. Même quand on a des événements, Big Mami fait l'effort de rester le plus discret possible, donc de ne pas intervenir en tant que personne publique sur les vidéos ou bien dans les photos. Big Mami, la plupart des personnes qui sont connectées aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 500 personnes déjà. Ces personnes, d'après les commentaires que je lis, sont extrêmement émues déjà de voir ta personne sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui te connaissent d'ailleurs et pour ceux qui ne te connaissent pas, je crois que l'avalanche de prononciation de ton nom qu'ils ont subi cette semaine les amène forcément à vouloir savoir qui Big Mami est. Alors, qui est Big Mami en réalité? Je tiens tout d'abord à vous adresser, Monsieur Stevie, tous mes remerciements, toutes mes félicitations pour l'ensemble de vos émissions. Vos émissions sont des émissions de haute qualité, qui ont de la substance, qui ont de la consistance. Pour cela, j'invite d'ailleurs plus de monde ici connecté qui ne connaissait pas vos pages à s'y abonner massivement. Ceux désireux, bien sûr, de se nourrir spirituellement, intellectuellement, du suc, du bon savoir. Le savoir. Que vous disiez un savoir utile, constructif. Vous êtes une graine de génie, Monsieur Stevie. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire. Ce n'est pas la première fois. Je vous félicite pour le professionnalisme et l'intelligence dont vous faites preuve. En ces temps troubles, en cette période de chaos, des voix comme la vôtre, Monsieur Stilly, sont plus que jamais une lumière qui éclaire au moins autant qu'elle réchauffe. Il est bien difficile de pouvoir se forger une pensée à peu près construite pour tenter de trouver un sens à ce non-sens que sont devenues nos sociétés contemporaines, et plus encore la société camerounaise. Je vous remercie, Stevie Sam, de me permettre ce droit de réponse face aux calomnies féabondes à l'égard d'illustres personnalités, des gens respectables, dignes, de bonne moralité, humanistes, généreux de notre pays natal. Comme le professeur, bien évidemment, Franklin Yancy wa Cameroun, à qui je rends hommage et je vous démontrerai pourquoi. Merci encore. Pendant longtemps, j'ai gardé le silence, tant les attaques étaient dirigées sur moi, en me disant que le silence évite les querelles, le silence rend l'adversaire stupide. D'ailleurs, on l'a vu, le silence vous distingue des autres. Le silence est l'ami de l'humilité. Pour l'émission d'aujourd'hui, plusieurs personnes m'ont dit n'y va pas, laisse tomber, ignore-les. Mais j'ai constaté
que ces gens n'ont plus de limites, n'ont plus de gêne. Et pire encore, plus c'est gros, plus ça passait dans une partie de notre peuple trompé. Plus je me taisais, plus c'était intégré comme une réalité. Et ça nourrissait toutes sortes de condamnations. J'ai fait confiance au peuple camerounais, dans une large majorité. Et j'estime et je renouvelle cette confiance en les invitant à un peu plus de hauteur d'esprit pour ne pas se faire manipuler, pour avoir plus de vigilance, pour ne pas être les vecteurs de propagation de mensonges, de fausses rumeurs en tout genre dont on veut les gargariser. Pour ne pas être les acteurs ou les bras armés de ceux qui distillent la haine, des gens qui sont bien décidés à les faire marcher à leur rythme, au rythme de fou, au rythme de fou furieux. Mais ça ne passera pas. Tous ceux qui ont côtoyé Big Mami, monsieur, savent qu'elle ne donne pas le lait. Et quand il s'agit de rétablir la vérité et de chercher la justice, je serai toujours là. En parlant de justice, que ceux-là qui s'amusent à de telles pratiques sachent que tout est téléchargé, gardé, enregistré, archivé, et bientôt viendra le temps de la justice. Voyez-vous, nous ne sommes pas ici au Cameroun, nous sommes en Europe, dans des états de droit. Nous avons des droits et on les usera en temps opportun. Voilà. Quand il ne s'agissait que de moi, j'ai la peau dure, j'ai une peau de crocodile. Mais voir l'honneur d'un homme, un humaniste qui a tout sacrifié, rien que pour l'amour du Cameroun, rien que pour l'amour pour son peuple, jeté au chien, là j'ai dit, ça m'était devenu insupportable. Alors je suis venue rétablir la vérité. Que cette vérité soit partagée partout. Je jure ici, Stevie, devant vous, devant Dieu Tout-Puissant, devant l'esprit de nos saints ancêtres, que ce que vous entendrez ici est la vérité pure. Dans ce que je sais et la partie qui me concerne. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, puisque vous m'avez posé la question de savoir qui est Big Mami, permettez-moi de saluer le monde de la résistance camerounaise et africaine. Je salue plus particulièrement aujourd'hui toutes les Amazones, toutes les femmes camerounaises, toutes les mères d'Afrique et du monde, à qui j'adresse une chaleureuse bonne fête des mères. Si vous me permettez sur ce point, Monsieur Stevie, de rendre hommage aux mères de l'humanité, en disant ceci. La maman est celle qui donne la vie, mais pas seulement. C'est aussi celle qui élève, qui nourrit, qui prend soin, qui protège, qui aide l'enfant à grandir, en lui donnant l'amour, la tendresse, l'affection dont il a besoin.
en lui donnant la meilleure éducation possible. C'est sa première contribution à la nation. Ainsi, nous pouvons avoir des tantes, des cousines, des grands-mères, des mères et même des pères qui portent la double casquette de père et de mère. À tout cela, je leur souhaite une bonne fête. Je pense aussi à toutes ces éducatrices, aux auxiliaires de petite enfance, dans les orphelinats et foyers de mineurs. À tous ces enfants, à toutes ces personnes qui sont auprès de petits-enfants, souvent brisés par la vie, ou qui ont pris un mauvais départ dans la vie, soit par un abandon, soit par une perte de leur géniteur. Je pense à ces éducatrices qui sont leur seule référence maternelle. Elles font de leur mieux pour les entourer, malgré souvent le manque de moyens, comme dans nos orphelinats au Cameroun, que j'ai souvent pris le soin de visiter et d'y faire des dons. Vous y trouverez des femmes dévouées qui pansent des plaies physiques et psychologiques afin de donner à la société de futurs adultes pas trop psychologiquement instables. Pourquoi j'insiste sur ce point précis, Monsieur Tilly? C'est pour mettre en lumière ce rôle capital et déterminant de la mère. Car de là découle ce que la société bénéficiera en capital de bons adultes. Rater ces moments de vie produit souvent toutes sortes d'adultes déséquilibrés avec des troubles psychosomatiques importants, surtout ceux ou celles qui ont manqué d'affection ou d'amour maternel. Ces gens, le plus souvent en quête perpétuelle d'amour, feront toutes sortes de manœuvres et de manipulations pour s'attirer la sympathie des autres. Quand ces tares sont exacerbées, ils peuvent être des risques pour nos sociétés, comme nous pouvons le constater à petite échelle au sein du microcosme de la résistance diasporique, surtout parisienne, londonienne et ailleurs quelque part en Afrique. Qui suis-je? Qui est Big Mami? Big Mami, c'est bien évidemment mon nom de résistance. Mon nom civil étant Siwe. Je suis simplement une militante pour la liberté, une militante pour la justice, une militante qui demande l'avènement d'un état de démocratique dans nos pays, dans notre pays, le Cameroun. Je voudrais que le Cameroun soit aussi comme le Ghana, comme le Nigeria, comme le Sénégal ou comme d'autres pays où il y a l'alternance. Frantz Fanon disait, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la trahir ou la remplir. Je suis en train d'accomplir ma part. Voilà. Wow. Merci encore, Big Mami. Merci encore pour cette prise de parole assez étayée. On a vu le temps que tu as pris pour expliquer, donner à chaque Camerounais de comprendre qui est réellement Big Mami. Qu'est-ce que Big Mami fait? Qu'est-ce qu'elle propose aux Camerounais? Qu'est-ce qu'elle apporte à notre révolution? Et tu as dit quelque chose d'assez intéressant. Quand on se rappelle de l'ouvrage « Pied blanc, masque noir » de Fanon qui disait que voilà, chaque génération a un combat à mener, la trahir ou bien accepter sa mission et que tu t'inscris dans ce contexte-là. Je vais te poser une question maintenant, Big Mami. Et je rappelle à tous ceux qui nous suivent que le format de cet entretien, c'est un entretien simple. Ça veut dire que Big Mami a la latitude de s'exprimer comme elle veut sur les questions que je vais poser. Donc, ce n'est pas un format conventionnel parce qu'on est dans une révolution et vous comprenez que moi-même dans ce contexte, je ne suis plus un journaliste à proprement parler. Donc, je suis une forme de
de mix entre un journaliste et un révolutionnaire. Mais puisque la vérité est la règle fondamentale de ce que nous faisons, il était donc question que nous venions ici devant vous avec Big Mami, qui a daigné elle-même apporter des éléments de réponse pour répondre à quelques questions. Donc, la question que je vais poser à Big Mami, c'est de savoir comment est-ce que Big Mami vit les récents événements dans le dans ce que nous dans notre révolution. Pour répondre à cette question, je vous demanderai, si ça vous était possible, de bien vouloir nous passer un tube. Je pense qu'il va être assez révélateur de ma réponse. Donc, à la question de savoir qui est Big Mami, elle a répondu, elle a dit qu'elle était quelqu'un qui s'était inscrit dans le cadre de la mission que lui avait donnée, qu'il avait été inspiré par Frantz Fanon. Et je crois que Big Mami a insisté pour que je vous fasse passer cet élément vidéo dont vous prenez le temps même de prendre les connaissances, de connaître la teneur. On a un petit souci de son là. C'est une chanson de M. Penamachwa. Et je vais prendre le temps de remettre la chanson. Voilà. Cameroun, je t'aime.
Alors, Big Mami, rebonjour, rebonsoir, dépendamment de la position de ceux qui nous suivent. Nous avons suivi là une des chansons de MP Namatjira, qui elle aussi est une personne engagée dans notre révolution, qui se bat aussi pour libérer le Cameroun, au même titre que beaucoup de personnes ici d'ailleurs. La question que je posais tout à l'heure, avant que tu nous proposes qu'on lance le film qui, de toute façon, va venir plus tard, c'est de savoir comment est-ce que Big Mami réagit, quelle est la lecture que Big Mami fait des événements récents dans la Révolution. Je suis triste, tout simplement. Il n'y a pas d'autre qualificatif que ça. Triste, pourquoi? Parce que nous avons tous laissé un pays que nous aimons tant, un pays que nous chérissons tant, parce que ça n'allait pas chez nous. Parce que le pays était gangréné par toutes sortes de maux, par l'incivisme, par le vol, par la corruption, par une jeunesse à l'abandon, livrée à elle-même. Et qui, chacun à son petit niveau, agresse, pille, vole. Nous avons une société au Cameroun qui est désorganisée, déstructurée, dans laquelle la fortune de l'État est amassée pour le profit d'une poignée de pillards. Rien ne va à la construction des infrastructures à but communautaire ou national, dans une impunité totale. Nous avons un pays où les retraités qui ont travaillé de manière admirable, honnête, pendant plus de 40 ans de leur vie, sont à l'abandon. Pire, ils sont rackettés par les fonctionnaires, pour leur maigre pension ou pour toucher une petite retraite. Pour ceux qui en ont de la chance, ils ont versé au prix de souffrance et de torture les plus faibles de notre société, qui n'ont ni couverture sociale, tous meurent comme des chiens, dans l'indifférence totale. Nous avons un bilan catastrophique, avec un peuple fossilisé, reptilisé, aplati, livré à lui-même, qui croule sous la misère. Pour les jeunes, ils se complexent dans le sexe, la drogue, l'alcool. Une jeunesse de malades qui souffre de tous les maux. D'ailleurs, un célèbre journaliste disait, peut-on prévoir un avenir pour un pays avec une bonne partie de sa jeunesse malade? Un pays où on vit avec moins d'1 dollar par jour, selon les données de la Banque mondiale. Un pays où le taux de criminalité financière a atteint un paroxysme exponentiel, jamais égalé en Afrique, encore aujourd'hui, avec la mauvaise prise en charge du Covid-19. Un pays à l'économie effondrée, effondrée. Un pays en faillite. Pourtant, ce pays fut prospère. Ce pays fut pillé. Ce pays qui avait eu à foison des sociétés nationales prospères ont tous coulé. Tout a profité aux multinationales. Toutes sortes de tares minent notre société. Regardez, regardez, notre pays est émietté, divisé par le tribalisme, séparé par la guerre. On voit des jeunes enfants se faire massacrer, les jeunes mourir, mourir pour rien. Des deux côtés, des frères s'entretuent. Nous vivons dans une société civile désorganisée, déstructurée. Après connaissance de ça, que voulez-vous que je vous dise? Comment aurait dû réagir? Surtout encore plus
ceux qui ont été jetés sur les routes de la traverser les médias.